C'est comme ça, toi et moi. Bonsoir à toutes et à tous. Dernier rendez-vous de cette présentation virtuelle de la saison. Dernier rendez-vous de la saison 2021. Et je tenais absolument à être à nouveau dans cette salle que vous connaissez très bien, qui résonne un petit peu vide aujourd'hui, mais je pense que pas encore très longtemps. En tous les cas, je crois que nous nous retrouverons sans problème à la rentrée. En tous les cas, j'y crois dur comme fer. Le dernier rendez-vous de la saison, c'est un rendez-vous avec Pierre Rigal, chorégraphe danseur de la compagnie Dernière Minute, que vous connaissez déjà puisque nous avions reçu il y a quelques années déjà un grand plateau qui s'appelait Micro, qui nous parlait d'une histoire de la découverte de la musique, toutes les, on va dire, les apologies d'une star de rock. Puis nous l'avons reçu dans un autre solo magnifique qui s'appelait Érection et qui nous racontait l'histoire d'un homme qui se met debout. Cette fois, le spectacle même va nous plonger dans une farce existentielle, spatio-temporelle. Pierre adore l'hybridité, les spectacles transversaux qui épousent toutes les disciplines de la musique, de la danse. Les musiciens sont aussi comédiens, du cirque parfois. Bref, une esthétique tout à fait étonnante et souvent interprétée par des gens et des artistes virtuoses. Même, c'est l'histoire de Pierre qui arrive en retard à une répétition de danse avec 9 interprètes sur le plateau. On ne sait jamais vraiment pourquoi il arrive en retard, il a peut-être eu un accident et du coup tout va commencer à se dérégler suite au retard de l'arrivée de Pierre sur le plateau qui rejoint ses coéquipiers. On ne sait pas s'il a eu un accident, s'il est dans un rêve, si on voit toutes les scènes qui se déroulent devant nos yeux à travers le rêve ou s'il est peut-être déjà dans l'au-delà. En tous les cas, c'est une sorte de narration assez frénétique, une boucle spatio-temporelle, un autre rapport au temps que nous propose Pierre Rigal à travers des chorégraphies parfois totalement accéléré ou au contraire totalement au ralenti. Les scènes se reproduisent à travers les yeux de Pierre, elles ne sont jamais tout à fait les mêmes. Bref, cette impression de déjà-vu que nous avons tous eu dans nos vies. En tous les cas, c'est un spectacle complètement loufoque. Bien entendu, la danse est extrêmement présente, c'est une compagnie de danse et des interprètes formidables. En tous les cas, c'est une belle manière, je crois, de retrouver ce grand plateau et terminer la saison avec de l'humour et de la danse. Et je vous laisse regarder quelques images du spectacle. Tu baisses d'un ton. Qu'est-ce que vous avez à la fin? Très cool, tu peux enregistrer la première boucle. Et moi, je me serre la main tout seul, en fait. T'es avec Julien. Julien. J'explique les boucles à Malik. Rencontrer quelqu'un. Non, on ne m'entend pas. On va enlever ces masques selon le protocole. Voilà, c'était les dernières images de la saison avec cette fois toute l'équipe derrière moi car vous le savez, il n'y a pas eu que Corinne, Elia, Mathéo, Juliette, Hélène et moi-même qui avons réalisé ces vidéos. Il y a toute une équipe qui est aujourd'hui derrière moi dans cette salle qui a préparé la saison prochaine. C'était important qu'on vous retrouve tous ensemble. Vous découvrez ce petit insecte sur nous qui est peut-être le symbole, ces petits bijoux absolument magnifiques d'une diversité, une biodiversité qui disparaît et qui est peut-être aussi le symbole de ces invisibles qui ont participé fortement à sauver des vies pendant cette crise sanitaire. Cette saison 2021 va bientôt commencer, en tous les cas elle commencera à la rentrée. Vous pouvez déjà vous abonner à partir du 30 juin prochain. Et nous vous souhaitons tous, au nom de toute l'équipe de La Passerelle, une excellente année 2021. Nous espérons que très vite, et nous y croyons dur comme fer, que cette salle sera moins remplie de ce vide, de cet écho, mais bien de vos applaudissements fournis pour les artistes qu'ils méritent. Bonne saison 2021 à toutes et à tous.